Alors, on est toujours le 16 février, le 16 septembre 2019. Je suis toujours autant fatiguée. Et je continue donc mon autothérapie par le biais des vidéos de Fabien Marchand pour découvrir un petit peu ce qui se cache, même si je les ai déjà écoutées il y a à peu près un an. Là, je les dépouille pour faire un travail sur moi, pour vraiment comprendre mon fonctionnement et peut-être comprendre aussi celui de mon jumeau. Donc, je vous le partage, mais je fais surtout ces vidéos dans le sens de vidéos thérapeutiques. Donc, je m'étais arrêtée donc au chaser là, on va pas continuer sur le chaser. C'est là donc la deuxième partie de la vidéo du chaser on va parler de son mécanisme de fonctionnement aussi, mais aussi de ce qui se passe en fait quand il commence à s'éveiller. Donc, quand il commence à s'éveiller, le chaser, d'après ce que dit Fabien Marchand, ce n'est pas forcément conscientiser le lien. D'accord? Mais il va ressentir, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, il va ressentir que il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui est particulier dans ce lien. Et ça le déstabilise. Moi, ça m'a déstabilisé complètement. Tout simplement parce que je sortais d'une rupture de 17 ans. Je sortais d'un mariage annulé et d'une fuite de la région parisienne vers la région bordelaise 2 mois avant le mariage. Donc, je ne pensais pas pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti pour mon jumeau à ce moment-là. Donc, quand j'ai commencé à m'éveiller, donc nous, on était partis sur une relation avec mon jumeau. Voilà, ne t'accroche pas, voilà, tout se passait bien. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, je ne vais pas me répéter. Et là, quand on commence à s'éveiller, nous les chasers, puisque nous sommes les personnes qui s'éveillent en premier, eh bien, comme on est dans le donner, on va tout donner à notre jumeau. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je lui donnais tout. Je lui donnais même ma carte bleue. Donc, j'ai été, oui, déstabilisée par ces sentiments que je commençais à ressentir au fond de moi-même, alors que dans mes croyances, je m'interdisais parce que je ne me sentais pas capable de pouvoir aimer autant le père de ma fille, avec qui je devais me marier. Et avec qui j'étais restée 17 ans. Donc c'était juste pas possible. Donc je m'interdisais. Donc j'ai été déstabilisée en fait par ce que je ressentais à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tout donner. On se rend compte, le chaser se rend compte d'un seul coup qu'il a besoin de voir cette personne, qu'il a besoin d'échanger, qu'il a besoin de savoir s'il va bien. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'on était censé être dans une relation, surtout t'accroches pas, patati tatata. Et puis d'un seul coup, pof, ça se déclenche. Et on ne peut pas, on peut pas s'empêcher d'avoir ce besoin-là, ce besoin de le voir, d'avoir contact avec lui. Et en plus, le runner, c'est ce que dit Fabien Marchand, et c'est ce qui s'est passé aussi dans mon histoire. En début de relation, le runner, lui, le ressent. Alors, Fabien Marchand le dit, dit que le runner le ressent à distance. Donc bon, étant inconscient tous les deux, moi éveillé, mais lui inconscient du lien et moi aussi, c'est cette histoire de distance. Je pourrais pas vous le confirmer comme ça. Oui, moi j'ai vécu ça avec mon jumeau. Non, mais en tout cas, lui, il me faisait bien comprendre que lui aussi, il y avait des choses qu'il ressentait, mais il me disait qu'il ne savait pas l'expliquer.
Voilà, il avait besoin. Et le Fabien Marchand dit que le runner ne sait pas expliquer ce qu'il ressent. Il comprend pas du tout ce qui se passe. Un peu comme le chaser qui est déstabilisé. D'accord? Mais par contre, il dit que le runner sait que c'est la bonne personne. Il le sait. Il sait que c'est la bonne personne. Il sait dans quel état se trouve la personne. Il sait ce qu'elle ressent. Mais ce qu'il ne sait pas, par contre, il ne sait pas tout de suite que c'est de l'amour. Il sait que c'est quelque chose de hors norme, mais il ne met pas encore le mot amour dessus. Mais il sait que c'est elle, ou lui. En tout cas, il sait que le chaser, c'est la bonne personne. C'est marrant parce que mon runner, avant que je le rencontre, et c'est pour ça que l'extérieur m'a dit, enfin lui a dit et m'a dit aussi, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que mon runner m'expliquait, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, il a vécu une rupture sentimentale due à une infidélité. Donc, sa blessure de rejet a été réveillée avec cette fille-là. Donc, il était jeune, puisque moi, je l'ai connu à 22 ans. Donc, il a eu cette relation avec cette nana-là. Donc, après avoir vécu cette infidélité, cette souffrance de l'amour, qu'est-ce que j'allais dire? Il a donc été de fille en fille. On ne peut pas parler de femme à cet âge-là, mais il a été de fille en fille, sans sentiment. Il ne voulait plus tomber amoureux. Et je ne sais pas si Fabien Marchand en parle sur le runner, mais le runner, voilà, l'amour, ça lui fait peur. Et donc, moi, j'ai rencontré mon runner dans cet état d'esprit-là. Et donc, quand il m'a rencontré, ses conquêtes continuaient de l'appeler. Et donc, il les a rejetées. Et c'est là que son entourage n'a pas compris, en fait, ce changement brutal depuis qu'il était avec moi. Et une de ses conquêtes insistait. Et donc, il me raconte ça un jour. Il me dit, écoute, elle insiste, elle ne veut pas me lâcher. Et comme on n'était pas encore, on était encore dans l'état d'esprit, ne t'accroche pas, patati patata, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui t'empêche? Et donc, il me dit, bah, je ne sais pas. Il me dit, je lui ai répondu que avec toi, je ne pouvais pas, je pouvais pas faire ça. Et donc, la nana lui a dit, mais je ne comprends pas. Je comprends pas, parce que même quand tu étais avec d'autres personnes, d'autres filles, tu venais quand même coucher avec moi, parce que c'était seulement des histoires sexuelles qui vivaient. Et il lui a répondu, écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais avec elle, je ne peux pas lui faire ça. Donc, ça revient bien à ce que dit Fabien Marchand, dans le sens où il sait que c'est hors norme, il ne sait pas l'expliquer. Mais il sait que c'est la bonne personne. Il sait qu'il y a des choses avec elle qu'il ne peut pas faire, qu'il n'arrive pas à passer le cap. Donc, en plus, le chaser, qui lui, comme le dit Fabien Marchand, qui lui fait face à ce qu'il vit et fait face à ce qu'il ressent, à un moment donné, en ressentant ça dans mon cœur, même si je n'y croyais pas et que ça me déstabilisait, comme je l'ai dit au début, à un moment donné, il a fallu que ça sorte. Bon, à un moment donné, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui dis, écoute, voilà, on a démarré sur des bases qui étaient « on ne s'accroche pas ». J'étais tout à fait d'accord avec toi. Seulement, voilà, il se passe qu'aujourd'hui, je ressens des sentiments pour toi. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée une relation ou pas? Est-ce que tu restes ou est-ce que tu t'en vas? À un moment donné, il a fallu, comme le dit Fabien Marchand, le chaser va vouloir aller au bout de cette relation. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un certain moment, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ses peurs se sont réveillées et il m'a dit, écoute, voilà, depuis qu'il m'est arrivé cette histoire-là, pour moi, l'amour, ça fait mal, j'ai pas envie de tomber amoureux. Je suis en plus devenue psycho-jaloux parce que j'ai perdu confiance dans les femmes. Et donc, je ne sais pas, mais en même temps, il n'arrivait pas à se décrocher. Donc, ce jour-là, il était dans un conflit et je l'ai rassuré en lui disant que moi, j'étais une personne fidèle. Et c'est vrai, je ne l'ai pas simplement fait pour le faire rester. Je lui ai dit que voilà, moi, je n'étais pas comme ça du tout. Donc, lui ne m'a pas dit ce jour-là, moi aussi, j'ai des sentiments pour toi, mais il m'a dit, moi aussi, je ressens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Mais moi, en tant que chaser, comme le dit Fabien Marchand, il a fallu que, voilà, que j'aille au bout. Je ne pouvais pas rester dans, non, je ne m'engage pas, c'est tralali, tralala, quoi. Non, c'était trop fort pour moi. Et donc, Fabien Marchand dit que le chaser est volontaire, voire trop. Bah oui, moi, j'ai été volontaire. Peut-être de trop, parce que je lui ai dit, ou tu restes, ou tu pars. Parce que, en même temps, dans ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos, en rapport avec ce que disait Fabien Marchand, le runner, le chaser, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, comme le chaser a eu des relations plus importantes que le runner à cause de cette différence d'âge, donc plus d'expérience, plus de maturité, qu'il a eu aussi des relations toxiques, voire pervers narcissiques et tout ça, donc c'est ce que j'ai vécu aussi, à un moment donné, on n'a plus envie de ça. Donc le chaser, effectivement, sait ce qu'il veut et sait ce qu'il ne veut pas. Donc forcément, je lui ai dit, je lui ai avoué mes sentiments et je lui ai dit, où tu restes, où tu pars. C'est comme ça. Donc, il s'est retrouvé un petit peu au pied du mur. Parce que le chaser, on le disait dans l'autre vidéo, est perfectionniste et a besoin que les choses soient concrétisées. Donc, moi aussi, en tant que chaser, comme le dit Fabien Marchand, il fallait que les choses se concrétisent. Il fallait que ce que j'ai dans le cœur se concrétise dans la réalité. Donc, où il part, où on concrétise. C'était comme ça. Et en fait, c'est dû ça au fait que le chaser, comme le dit Fabien Marchand, c'est le fait que le chaser fonctionne au niveau relationnel comme une pyramide. Donc à un moment donné, quand le chaser s'éveille, pas forcément conscientise le lien, mais quand il s'éveille, il place son jumeau en haut de la pyramide. Donc, il va tout donner. Il va tout donner et il va vouloir concrétiser la chose. Donc, dans sa pyramide, la flamme jumelle, Chaser, a donc placé son jumeau en haut de la pyramide. Et puis, en descendant dans la pyramide, il va y avoir juste en dessous sa flamme jumelle, eh bien, sa famille. Alors, ça peut être la famille qu'il a construite, c'est-à-dire ses enfants. D'accord? Donc, moi, c'était mon cas. C'est ma fille qui passait avant. En plus, elle n'avait plus de relation avec son père. Donc, j'étais seule à élever ma fille. Donc, c'était elle qui comptait avant moi. Donc, d'un seul coup, la flamme jumelle arrive et ma fille reste quand même là. Puis en dessous, il y avait ma famille proche, c'est-à-dire la famille qui m'a créée, mes parents. Le chaser fonctionne comme ça. Et puis en dessous, il va y avoir
ses amis proches. Donc, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, il y en a peu, hein, d'amis proches, d'accord? Puis après, il va y avoir les connaissances, les copains, d'accord? Et tout en bas de la pyramide, il va y avoir ce qu'on appelle la société, hein, les gens qui l'entourent, voilà, mais qu'il ne connaît pas. Donc, avec ce fonctionnement, le chaser, il n'a pas de, comment dire, il n'a aucun mal avec l'image qu'il peut donner à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce que dit Fabien Marchand. Donc, je suis comme ça aujourd'hui. Je suis comme ça aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. C'est-à-dire que je l'étais dans ma pyramide proche, mais au travail, j'avais un travail de cadre. Donc, je devais avoir une posture, avoir une tenue vestimentaire qui fait que je devais faire attention à mon image, d'accord ? Mais en fait, c'était mon métier qui m'obligeait à ça. Mais sinon, c'est vrai que ce qu'il dit, pour moi, oui, l'image extérieure, bon, elle s'est, et puis en plus, elle s'est dégradée en vieillissant. C'est-à-dire que maintenant, je m'en bats la casquette, comme on dit, quoi. Hein. Autant avant, j'étais vernis et compagnie, machin. Maintenant, c'est plus ça que ça, quoi. Et je m'en fous, quoi. Donc, quand je vais sortir ou quand je vais recevoir de la clientèle, oui, effectivement, je vais faire attention à mon image, mais plus par respect pour les autres, en fait. C'est plus, pour moi, un respect que je leur dois. Mais sinon, non. Donc, je me retrouve bien aussi dans ce qu'il dit. Il dit que le chaser sait démontrer son affection en public parce qu'il s'en fout en fait des personnes qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai. Moi, je m'en fous des personnes qui ne connaissent pas. Connaissent pas. Donc, pourquoi je devrais faire attention à ce que je peux ressentir ou faire attention à comment je vais démontrer mon affection en public devant des gens qui ne me connaissent pas. Donc moi, je le vis comme ça. Et c'est vrai qu'avec mon jumeau, bon, on se tenait par la main et tout ça, mais c'était pas, on montrait pas tellement d'affection comme ça en physique, en public. Avec les amis proches, avec les proches, oui, mais en public comme ça, bon voilà. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais lui, il n'était pas fan de ça. Ça ne le dérangeait pas non plus, mais il n'était pas fan. On sentait quand même... Voilà, pour lui, le regard des autres, c'était super important. Je ne sais pas s'il en parlera quand il parlera des runners, mais moi, mon runner, c'était ça. Le regard des autres, pour lui, c'est super important. Alors que le chaser, il s'en fout, il s'en tape complet et c'est tout à fait mon état d'esprit. Donc, il se fiche de son image, mais par contre, il respecte les autres. C'est ce qu'il dit, il respecte les autres, il est dans l'amour. Donc, si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites avant, oui, je suis dans l'amour, dans l'empathie des autres aussi. Mais, quand je fais attention à mon image, comme j'ai dit tout à l'heure avant de le lire là, c'est pour respecter les autres. Voilà. Donc, je respecte énormément les autres. Mais voilà, je me fiche de mon image si jamais je ne les connais pas. Mais ça ne m'empêche pas de les respecter. Donc là, je me reconnais. Donc, pour résumer, après je remettrai Fabien Marchand dans mes oreilles. Pour résumer, voilà comment fonctionne le chaser. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est hiérarchisé. Chaque personne rentre dans une classification. Chaque personne a sa place dans la pyramide. D'accord ? Contrairement au runner, on le verra dans une autre vidéo.
Donc, le chaser, dans cet état d'esprit pyramidal, hein, dans cet état d'esprit de je donne tout et je concrétise très vite, il y a, le dit Fabien Marchand, ce sentiment de temps qui passe. En même temps, le chaser est plus vieux que le runner, hein, donc il y a ce temps qui passe et qu'il faut que, voilà, que les choses se concrétisent. C'est très important, donc il est très volontaire pour que les choses avancent vite. Donc ça fait peur au runner, forcément. Le chaser, lui, a besoin de ça. Donc ça, je le disais dans la première vidéo, je crois, que quand je m'analysais dans le sens où le chaser était dans le contrôle, dans l'analyse et tout ça, que pour moi, j'en avais besoin dans le sens où c'était sécuritaire pour moi. Mais en fait, il en parle là, à ce moment-là, que le chaser a besoin de concrétiser les choses pour se sentir en sécurité dans cette relation. Comme il a besoin de concrétisation, il a besoin de se sécuriser dans les actions aussi qu'il va mener, d'accord? Donc, moi, j'avais besoin de ça parce que je m'étais déjà engagée, voire jusqu'au mariage, sans aller jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire le mariage. Donc, j'étais encore plus dans cet état d'esprit d'être sécurisée des intentions de mon jumeau. Quand il m'a dit « Ok, je reste », quand je lui ai dit « Écoute, voilà, j'ai des sentiments pour toi, tu pars ou tu restes », j'avais besoin de connaître ses intentions avant d'aller plus loin et de concrétiser la chose. Donc, quand il est resté et qu'il est venu habiter chez moi, bah oui, j'ai concrétisé la chose. J'ai eu un aperçu de ses intentions, même si elles n'étaient pas claires et nettes. Moi, dans ma tête, voilà, il y avait cette concrétisation qui était en train de se faire dans ma tête, d'accord? Et à un moment donné, le chaser se retrouve, donc ça c'est Fabien Marchand qui le dit, se retrouve dans un jumeau qui est dans le silence. Alors, pas au début, il le dit, effectivement, pas au début. C'est quelque chose qui s'installe, en fait, au fur et à mesure de la relation, d'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé aussi pour nous. Il n'était pas dans le silence. Et puis, en plus, on a déménagé. Donc, après, on s'est retrouvés bah, plus tous les deux. Donc, bon, bah voilà, il n'y avait plus cet entourage extérieur. Donc, cette façon de fonctionner du runner, bah, il était démuni de ça, nous, dans notre relation. C'est peut-être pour ça aussi que ça a duré si longtemps. Et c'est pour ça que ça étonne certaines flammes jumelles ou certains thérapeutes de flammes jumelles qui m'ont dit que c'était pas possible de rester 11 ans avec sa flamme jumelle. Mais mon runner a été obligé, lui, de sortir de ce qu'il vivait, de ce qui s'était construit. Moi, j'avais l'habitude. Donc, lui, on a eu plusieurs déménagements. Et c'est au moment où on est revenu sur son lieu d'enfance où là, ça a commencé à sentir mauvais, en fait. Tout simplement. Donc, je pense que si on n'avait pas eu tous ces déménagements, peut-être qu'on ne serait pas resté 11 ans ensemble. Donc, c'est au fur et à mesure que le silence du runner s'installe, d'accord? Parce qu'en fait, le lien devient tellement fort dans cette relation. Nous, c'était tellement fort, et puis on était en plus tellement soudés, puisqu'on était tous les deux, puisqu'on déménageait tout le temps. Donc, on n'avait pas de connaissances dans tous les lieux où on déménageait. On se connaissait que l'un et l'autre. Voilà. Et on travaillait beaucoup, donc voilà, il y avait que le travail qui était là, on suivait le travail en fait, c'est pour ça qu'on déménageait. Et à un moment donné, le lien devient tellement fort que les blessures commencent à remonter et c'est là que le silence commence à s'installer ou les tensions commencent à s'installer. Et nous, c'est ce qui s'est passé une fois qu'on est revenu dans sa vie d'avant en fait, dans son lieu d'habitation d'avant. Et donc, chez le chaser,
la blessure qui l'emporte, donc ça c'est ce que dit Fabien Marchand, hein, la blessure qui l'emporte, et donc il dit que ça, dans les interrogations qu'il a fait auprès de flammes jumelles réunies ou pas, c'était la blessure de l'abandon qui ressortait chez le chaser. Bon, le chaser, sa blessure d'abandon va être réveillée, en fait, parce qu'il est sûr d'avoir trouvé la bonne personne. Il sait que c'est la bonne personne, malgré qu'il voit les différences. Il voit bien qu'il est l'opposé. Moi, je voyais bien. Et on se le disait. On est vraiment les opposés. On se complète. On ne savait pas qu'on était des flammes jumelles. Mais on parlait déjà comme ça. Donc, d'un seul coup, on a peur d'être abandonné par cette personne, mais on s'abandonne aussi à lui. C'est-à-dire que plus rien ne compte sauf lui. Et on s'oublie. Donc ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. On s'oublie. Parce qu'on s'est complètement abandonné à cette personne-là. Parce qu'on sait que c'est elle. Donc, on ne dépend plus que d'elle. Et c'est déchirant quand on se rend compte de ce qui se passe dans ce lien et que cette blessure remonte. On se dit, mince, je m'abandonne, mince, je vais me faire abandonner. Et c'est dur parce que, comment dire, comment il dit, Fabien Marchand, c'est dur de lui avoir tout donné. D'un seul coup, on se dit, mince, j'ai tout donné. Mais moi, j'ai tout donné. Hein. J'ai donné mes meubles, j'ai donné mon argent, j'ai tout donné. Hein. Alors, à une période de notre vie, pendant ces 11 ans, c'est lui qui a géré le côté finance au moment où je me suis retrouvée travailleur handicapé. Où là, bah, forcément, j'étais dans un trou noir. De savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma carrière. Donc pendant un an à peu près, c'est lui qui a géré, au niveau finance, d'accord. Mais sans parler du côté finance, oui, le chaser donne tout. Mais quand c'est tout, c'est et le matériel, et l'amour, et les sentiments, et il va même lâcher le peu d'amis qu'il a pour son jumeau. Donc c'est dur. C'est dur, mais comme il sait que c'est... Il est sûr à 100%, voire à 1000% que c'est la personne, c'est elle. Parce que, bah, avec le temps qui s'est passé, il a eu le temps de concrétiser les choses. Et c'est au moment où les choses sont bien concrétisées dans la tête du chaser que cette blessure va remonter. Parce que d'un seul coup, c'est... Ah, ça y est, c'est concrétisé, c'est l'homme de ma vie, ça y est, je vais le perdre, il va m'abandonner. Donc, le chaser, comme je disais, et comme le dit Fabien Marchand, il a vraiment intégré son jumeau dans toutes les parties de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, vu qu'il est en haut de la pyramide. Il l'a intégré dans ses amis, il l'a intégré dans sa famille, et il l'a intégré dans cette façon de voir la société. Donc, effectivement, je vais allumer la lumière, peut-être sera moins flou, voilà. Donc, effectivement, il a fait ça, le chaser, parce que les choses étaient concrétisées. Il n'a pas forcé le runner à le faire, mais dans son mécanisme à lui, c'était concrétisé. Et c'est l'exemple que je donnais, moi, dans l'autre vidéo, où quand je faisais des sorties entre filles, ce qui était rare, puisque comme je le dis, les chasers ont très peu d'amis, le peu d'amis que je m'étais fait pendant ma reconversion professionnelle en tant que secrétaire comptable, il y avait un petit groupe qui s'était formé de filles et on fêtait donc nos anniversaires ensemble. Et donc, c'est ce groupe de 5 personnes, là, de 5 filles, dont moi, elles avaient pris la décision de fêter les anniversaires sans les conjoints, sans les maris. Bon. J'expliquais dans l'autre vidéo que moi,
le jour où ça a été mon anniversaire, j'ai imposé à ce groupe-là mon jumeau. Les choses étaient concrétisées. Je leur ai dit, je ne passe pas mon anniversaire sans mon jumeau. Bon, je ne leur ai pas dit mon jumeau, puisque je ne savais pas. Mais voilà, le chaser donne tout, lui donne toute la place. Donc, il est même prêt à déménager, voire à changer de travail, hein, le chaser, hein, pour son jumeau. Hein. Il est vraiment prêt à tout. Hein. Parce que le chaser, bon, le runner aussi, il a l'air de dire, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais le chaser fonctionne à l'amour. Donc, comme l'amour pour son jumeau est bien plus fort, c'est le plus fort des amours qu'il peut donner dans sa pyramide, eh bien, même s'il a de l'amour pour ses amis, il n'y a pas d'amour sans son jumeau. Le chaser n'a pas besoin d'aimer son jumeau parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une grosse voiture, parce qu'il a une bonne, belle profession ou ce genre de choses. Le chaser, et il disait aussi que le runner, on va le voir plus tard, ne fonctionne qu'avec l'amour. C'est son mode de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dès qu'il commence à y avoir des tensions dans le couple, un éloignement du jumeau, eh bien, cette peur de l'abandon va s'enclencher. Et moi, ce qui s'est passé, c'est quand il allait justement avec ses amis, donc là, c'était pas des simples anniversaires, hein, c'était des sorties entre mecs. Je me sentais, moi, rejetée par ses amis. Mais, comme je disais dans une autre vidéo, comme moi, je l'intégrais dans ma pyramide, puisqu'on ne fonctionne pas pareil, moi, je l'intégrais à mes amis, c'est-à-dire que je l'imposais dans mon système pyramidal à venir passer mon anniversaire avec mes amies féminines, d'accord? Je ne comprenais pas pourquoi lui, il ne m'imposait pas à ses amis masculins. Donc, dans ces moments-là, où je parlais dans une autre vidéo que pour moi, c'était le début de ses fuites, donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour vous remettre un petit peu dans le bain. Mais du coup, dans ces moments-là, qui se sont en fait rapprochés de plus en plus, ces sorties se sont rapprochées de plus en plus, et plus il y avait de sorties, et plus je me sentais abandonnée. Mais je ne le comprenais pas. Moi, j'avais le sentiment que ses amis me rejetaient et que mon jumeau me manquait de respect. Qu'il n'arrivait pas à m'imposer. Je ressentais pas cette blessure d'abandon. Mais oui, quelque part, elle était présente, elle était là, elle était réveillée à ces moments-là. À ces moments de conflit pour ça. Parce que nous, on se disputait très rarement. Très rarement. Donc, forcément, quand cette blessure-là se réveille, eh bien, le chaser, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce que dit Fabien Marchand aussi, le chaser, ça va lui dicter cette blessure, ça va lui dicter un comportement, ça va lui dicter aussi des mots qui vont dépasser ses pensées. Et moi, c'est ce qui se passait. Quand il partait, comme je disais dans l'autre vidéo, il partait avec la boule au ventre. Il partait avec la boule au ventre parce que je lui disais des mots dans le sens où c'était juste dégueulasse ce qu'il me faisait, voilà, qu'il n'avait pas de couilles pour parler à ses potes, enfin voilà, ce genre de choses qui dépassaient mes pensées en fait. C'était juste parce que j'avais cette blessure qui était là et qui me faisait avoir un comportement, mais juste désagréable pour mon runner et douloureux pour moi. Et comme par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, eh bien, ces sorties sont devenues répétitives et sont devenues de plus en plus souvent.
Parce que je pense que l'univers, dans notre couple de flammes jumelles, n'avait pas trouvé d'autre solution pour réveiller cette blessure d'abandon. Parce que c'était pas un mec qui sortait souvent. C'était un mec, voilà, il allait au boulot, il rentrait du boulot à l'heure. Enfin voilà, il n'y avait pas de sortie après le boulot ou quoi que ce soit. Et puis son revenu, c'est que ses amis d'enfance, quand on est revenu donc dans son lieu où il a passé sa jeunesse, c'est là que ça a commencé à réveiller tout ça, hein, à remonter tout ça. Ce qui nous a, je pense, sauvés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tous ces déménagements. Et quand il a retrouvé son entourage, eh bien les blessures sont remontées. Il a eu la possibilité, en fait, de réveiller cette blessure d'abandon. Que détient le chaser, que je détenais et que j'ai travaillé donc dernièrement et que je continue à travailler, en tout cas de la regarder. Donc voilà, on dit des choses qui nous submergent parce qu'en fait on est dans la peur et cette peur, elle a été déclenchée par notre jumeau, mais involontairement, en fait. Elle a été déclenchée par notre jumeau en effet miroir. C'est ce qu'explique Fabien Marchand. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est que lui, quand il partait comme ça à des soirées, il n'avait pas le sentiment de m'abandonner. Mais en effet miroir, c'est ce qui me renvoyait à moi. Donc, c'est notre jumeau, notre runner, qui déclenche ça, qui enclenche en fait ce réveil de blessure par l'effet miroir. Donc nous, les chasers, c'est ce que dit Fabien Marchand, et c'est là-dessus que je travaille, et que ça va beaucoup mieux de ce côté-là, et heureusement, parce que bon, c'est quand même chaud bouillant, mais je sens que c'est encore, il reste encore des traces, hein, de cette blessure. Le chaser doit apprendre à mettre cette blessure en pause au moment où elle est déclenchée comme ça par son jumeau. On doit faire face à cette peur. Et le problème, c'est que c'est difficile de faire face à cette peur quand on vit avec notre jumeau. Parce qu'on va avoir le réflexe de justement d'avoir un comportement ou des mots qui vont faire que voilà, ça explose, même si c'est en dehors de nos pensées. Que quand on réveille, quand cette blessure est de nouveau réveillée pendant la séparation, et ben là, on n'a plus personne. On n'a plus personne à blâmer. On n'a plus qu'à y faire face. Et ça, c'est dur. Parce que oui, comme je le disais dans la vidéo précédente, le chaser n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas beaucoup de personnes à qui se confier. Donc, on est seul face à nous-mêmes. On est seul face à cette blessure d'abandon qui est empirée après la séparation. Donc là, je rajoute pas mal de choses par rapport à ce que dit Fabien Marchand, mais c'est par rapport à mes connaissances et tout ça, et par rapport à mon vécu. Mais elle est empirée. Nous, on s'est quitté avec des « je t'aime ». Je me suis dit, mais pourquoi il ne me suit pas? Il me dit que je suis la plus belle personne qu'il a rencontrée, qui me remercie pour tout ce que j'ai fait pour lui, qui ne trouvera pas quelqu'un d'autre comme moi. Il n'était pas du tout en train de me donner le sentiment de me rejeter. Il était en train de me donner le sentiment de m'abandonner, de me laisser partir. Donc dans le centre de la France. Donc je me suis sentie abandonnée. Oh, cet éclairage, il est... Je me suis sentie abandonnée et là, ça a réveillé encore plus à la séparation. Enfin, pas à la vraie séparation, pas au moment où il a quitté le foyer conjugal, mais vraiment au moment où
où moi j'ai décidé de quitter Bordeaux parce que je ne pouvais plus, depuis 2 ans et demi, jouer à l'aimant, je te repousse, je t'aime, je revis avec toi, enfin je reviens avec toi, on se remet ensemble, oh, puis non, finalement non, voilà, je pouvais plus vivre ça, donc je suis partie. Et c'est au moment où je suis partie où la blessure d'abandon est de nouveau remontée parce que je me suis dit, mais il me laisse partir, il m'abandonne en fait, il me laisse partir. Ou moi, j'avais peut-être l'impression aussi de l'abandonner, mais j'avais pas d'autre solution. Donc, Fabien Marchand dit par contre que, et là je suis pas trop d'accord, il dit que cette peur de l'abandon chez le chaser, ne s'enclenche qu'avec notre flamme jumelle. Elle ne s'enclenche pas avec une âme sœur ou une autre personne. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord parce que cette blessure d'abandon, quand il partait comme ça, et que cette blessure donc s'enclenchait, je me revoyais avec mon ex-compagnon quand il partait aussi le soir comme ça. Comme quand il me laissait en plan. Et il m'a laissé en plan déjà adolescente. Donc là-dessus, moi je mettrais un bémol et je sais que ça ne le dérange pas Fabien Marchand parce qu'il aime bien aussi avoir d'autres témoignages, d'autres voilà, des contradictions pour renforcer un petit peu son étude aussi. Donc là-dessus, je ne suis pas trop d'accord. La blessure d'abandon, comme le dit Lise Bourbeau, voilà, on a tous ces 5 blessures avec des blessures qui sont plus prononcées chez des personnes plutôt que chez d'autres. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de rencontrer notre runner pour faire remonter cette blessure. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais par contre, c'est quand j'ai vécu la séparation que là, je l'ai comprise, cette blessure d'abandon. Même si j'avais dû la ressentir avant. Donc, le chaser, à un moment donné, avec cette blessure-là, avec ce sentiment de s'être aussi abandonné à son jumeau, d'avoir tout donné, d'un seul coup, il pète un câble. Enfin, c'est pas comme ça que le dit Fabien Marchand, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il pète un câble et il passe de « je te donne tout » à « je te reprends tout ». Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça a mis quelques années. Lui aussi, il me donnait beaucoup. Attention, hein. Je n'étais pas la seule à donner. Hein. Je n'étais pas du tout la seule à donner. Excusez-moi, mais cet éclairage, il est horrible. Donc, à un moment donné, comme je gérais tout, hein, comme le chaser dans toute sa splendeur qui gère tout, le côté financier, voilà, toutes les factures, tout, quand il faut faire les courses, combien on dépense là-dedans, et combien ceci, et combien cela. À un moment, j'en ai eu marre, donc forcément, je lui demandais une participation, hein, puisqu'il habitait chez moi. Et, comment dire, ça me faisait toujours mal au cœur, parce que, quelque part, j'étais aussi dans mon rôle de mère avec lui, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, de mère, de sauveuse, voilà, avec un jeune homme. Enfin, voilà, bon, entre-temps, il avait quand même pas mal vieilli, hein, mais bon, ben voilà, il était habitué à ça aussi. Hein. Donc, jusqu'au jour où j'en ai eu marre et j'ai pété un câble et je lui ai dit, écoute, tu veux savoir ce que c'est que de gérer un appartement ? Ben écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu pars, tu vas apprendre à gérer ta vie, parce que là, moi, j'en peux plus. Donc, le 31 octobre, tu t'en vas. Le chaser dans toute sa splendeur, quoi. Qui pète un câble, mais qui, au fond, dans sa tête, moi, dans ma tête, j'avais pas du tout envie qu'il parte. J'avais juste envie de le faire réagir.
de lui faire comprendre que là, qu'ils se disent, merde, là je déconne. Là je déconne. Et en fait, c'est pour une histoire à la con comme ça, que c'est parti en sucette. Il y a eu une histoire aussi avec un voisin où là, son côté psycho-jaloux est ressorti parce que j'avais eu comme une attirance pour ce voisin et je ne savais pas ce que je foutais. J'étais perdue en fait dans ma relation et ça a duré, je sais pas, une semaine, 15 jours. Et donc ce voisin était donc devenu ami. Mais alors pour mon jumeau, ça a été une catastrophe monumentale. Il m'en a toujours voulu d'avoir créé cette amitié confuse avec ce voisin. Alors que moi, j'aurais jamais rien fait avec ce voisin. C'était juste qu'il se passait un truc bizarre avec ce voisin. Mais c'était pas de l'amour. C'est juste que j'étais déjà, moi, en train d'étouffer dans cette relation. Parce que ce côté psycho-jaloux et ce côté prendre soin de moi et tout ça me faisait la sensation d'être dans une prison dorée. Et à un moment, j'ai étouffé. Parce que je m'interdisais aussi de sortir, moi. À cause de ce qu'il m'avait dit des années en arrière, comme quoi il était psycho-jaloux. Et moi, ce que je voulais, c'était sortir avec lui, faire des choses avec lui. Mais comme on est complémentaires et qu'on n'aime pas les mêmes choses, c'était compliqué. Donc déjà, il y a eu ce chamboulement dans la relation qu'on n'a rien compris tous les deux et qui s'est vite terminé, mais qui dans sa tête, à lui, ça lui a tout simplement fait rappeler son expérience où il a vécu l'infidélité. Et donc pour lui, juste le fait d'avoir une amitié trop proche avec ce voisin, bah pour lui j'avais été infidèle. J'avais dépassé ses limites. Donc il y a eu ça qui a commencé à faire que le couple a battu de l'aile. Alors qu'il n'y a pas eu du tout d'infidélité, il n'y a pas eu du tout de sentiment de ma part pour le voisin. Et ce côté aussi de « tu ne sais pas gérer, tu vas apprendre à gérer ». Et en fait, il m'a pris au mot. Il m'a pris au mot et comme le chaser contrôle et tout ça, et voilà, il n'est pas non plus… voilà, sa fierté aussi, hein, le chaser, hein. Donc, il est le 31 octobre 2015, il est parti. En pleurant. Et moi aussi. Il est parti avec des « je t'aime ». Et du coup, quand je lui ai dit ça, il ne savait plus trop sur quel pied danser. Mais en même temps, on sentait bien tous les deux, même si on s'est quitté avec des « je t'aime », on sentait bien tous les deux que la séparation, elle devenait nécessaire. Elle devenait obligatoire. On ne pouvait plus. On s'aimait, mais on ne pouvait plus. Et donc, cette blessure d'abandon, elle a été... elle a été dure, là. Elle a été très dure à gérer. Donc, Fabien Marchand dit que seules les flammes jumelles, Runner ou Chaser, peuvent stopper ce programme qui remonte, ce programme d'abandon pour le chaser. C'est à nous d'y faire face. C'est à nous de gérer ça, sans notre runner. On aurait pu le faire avec notre runner, mais si on n'a pas réussi à le faire pendant la relation, et ben il nous tombe dessus en fait, pendant la séparation. Donc voilà, j'ai fait le tour en deux vidéos, d'une vidéo de Fabien Marchand. J'ai compris certaines choses sur mon avancement.
Et je continuerai, je ne sais pas quand, à finir ces vidéos, parce que bon, il y en a quand même pas mal, donc ça, c'est un sacré boulot sur moi, c'est un sacré boulot de développement personnel, de compréhension de soi. Donc on verra la suite, en tout cas en ce qui concerne le focus du chaser, donc en ce qui me concerne, j'ai terminé, je pense ne rien avoir oublié. Ou sinon, j'en rajouterai, hein, voilà. Donc, suite au prochain épisode, j'espère en tout cas que ça vous aide vous aussi. Moi, ça m'aide et je vous le partage dans le but de vous aider vous aussi. Donc, suite au prochain épisode et suite à la prochaine vidéo.